sorti de l'école et j'ai créé tout de suite mon propre emploi en fait en m'installant à mon compte en individuel quoi. Et ben ça a marché tout de suite, je suis sorti en 2001 et je me suis installé directement comme prestataire de service au départ et puis après ben j'ai grandi les échelons petit à petit quoi. Jusqu'à m'installer ici il y a 2 ans. J'ai voulu créer mon propre emploi et rester sur place donc dans le secteur quoi. Sinon il fallait un peu changer de région pour trouver du boulot quoi, ou à l'étranger quoi. Donc en voulant rester sur place, ben, du coup j'ai créé mon propre emploi et du coup je me suis dit je vais faire ce que les autres n'aiment pas trop faire au départ. J'ai commencé à faire du débourrage et du transport de chevaux. Et en fait je suis toujours resté là-dedans quoi. Il y a toujours du boulot. Je pense qu'aujourd'hui il y a du boulot un peu partout, pas forcément en tant que salarié. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens travaillent avec des prestataires de services. Donc s'installer en auto-entrepreneur, pourquoi pas, ou faire des tontes. Tout le monde est spécialisé aujourd'hui quoi. Moi je suis surtout spécialisé dans le débourrage. Après il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'endurance, dans les tontes, dans le grooming, dans le remplacement pour les congés. Ça peut être tout ça. Enfin, donc pas hésiter à se lancer et à se mettre pourquoi pas dans toute entreprise.